On est en compagnie d'Andrea Le Sieur, bien sûr, pour nous parler des nouveautés cinéma. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien. Écoute, Andrea, on va y aller tout de suite avec nos sorties cinéma, des gros films à surveiller. Ben, on va débuter avec Chips. Chips, on dit? C'est oui, quoi? Chips. Chips, c'est bon. Alors, je ne parle pas d'un film d'alimentation, mais bien d'un film d'infiltration policière. Là, ça a l'air vraiment gros comme sujet et tout, mais c'est un film d'humour avec Michael Pena et Dax Shepard. Évidemment, Dax Shepard qui fait des films très, très drôles. C'est un des bons là, qui me fait beaucoup rire. Alors, ça se passe dans les... dans nos années, mais pour ceux et celles qui suivaient, peut-être que dans les années 70, ça vient de là. Ça vient de cette série qui est sortie en 1970. Qui s'appelait Chips. Qui s'appelait Chips aussi. Okay. Alors, quand que je l'ai présenté tout ça à mon père, il est comme « Ah ouais, ça me dit quelque chose. » Puis « Ah, ça c'est comme chassé. » Puis j'étais comme « Ah oui, ça fait partie de ça. » Ça fait partie aussi des films du type Starsky et Hutch ou ces séries-là, le duo policier humoristique. Exactement. Or là, on retrouve un policier un peu plus sérieux qui doit infiltrer une petite gang là, qui est plutôt rigolote. Ouais. Et là, ils doivent attraper le méchant. Ça va être drôle. L'annonce est drôle. Moi, c'est garanti que je vais y aller. Ça va détendre l'atmosphère. Oui, 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 tout à fait. Ça va faire du bien. Donc, Chips, sorti vendredi au cinéma. Un autre film. Un autre remake. Je dois avouer que j'ai été surpris quand j'ai vu ça. On dirait que ça a passé inaperçu, la production, puis on entend parler quand ça sort. Oui. Un film, écoute, qui est très attendu par les amateurs, je crois, Power Rangers. Exactement, qui est un remake aussi, en fait, de l'émission très populaire Mighty Morphin Power Rangers, qui est sortie dans les années 1990. Et qui se poursuit depuis, d'ailleurs, oui, je pense que... ça l'arrête pas. Je pense que la raison pourquoi on a entendu peu parler, peut-être, c'est ça, c'est pour faire cette immense... boom médiatique, parce que là, c'est sur les réseaux sociaux, on entend parler beaucoup. Alors, ces adolescents qui se retrouvent tous ensemble dans une caverne, retrouvent des pouvoirs, pas magiques, là, mais surhumains, et qui doivent combattre contre le mal ensemble, tous unis, contre la même créature. Oui. Alors, ça risque d'être intéressant au début, là. Je voulais vraiment aller le voir au cinéma, mais là, il y a beaucoup de sorties en même temps. Alors, puis les films restent peu ces temps-ci au cinéma, alors je verrai. Mais peut-être qu'un film comme Power Rangers va rester un peu plus longtemps. Si, pogne. Ça sera à voir. On a également vendredi le film Vie. Oui, Vie. Alors, un film très attendu dans mon coin de famille à moi. Un film de science-fiction avec Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds. Alors, pour les fans de Ryan Reynolds, il est de retour. Et cette fois-ci, c'est science-fiction pure. Ils vont dans un vaisseau spatial sur Mars, dans les alentours. Et leur but, c'est de trouver une forme de vie. Ils en trouvent une, mais à partir de là, c'est pas la déchéance, là, mais c'est la destruction. Alors, on retrouve la science-fiction de toute son œuvre, mais ça risque très... Moi, je vais pas y aller parce que ça a l'air vraiment trop intense. Puis là, il y a de l'air d'avoir des scènes de feu, de mort, de grosses bobites. Alors, j'attends que ça soit en DVD à écouter tranquillement chez mais moi. Mais les amateurs de science-fiction, d'action, de créatures bizarres, c'est un film à voir. Donc, Vie qui sort ce vendredi. Nos sorties DVD Blu-ray, on va y aller rapidement parce que... J'ai mon top 3 de regard. Oui, oui, oui. On va y aller tout de suite à un film déjà sorti en DVD, Assassin's Creed. Ça va tellement vite, là. C'est hallucinant. On dirait que c'était hier qu'il était au cinéma, Assassin's Creed, ce film qui reprend le jeu vidéo. Ouais. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas. J'ai entendu beaucoup de commentaires du fait « Ah, ça suit pas le jeu vidéo ». Je veux dire, soit t'aimes, soit t'aimes pas, soit t'es trop attaché au jeu, t'es pas capable de faire la différence entre les deux. C'est un film, c'est un remake. C'est parce que quand ils font les films de jeux vidéo, ils veulent rejoindre une plus grande clientèle. Exactement. Aussi. Donc, ils adaptent les histoires, mais de toute façon, le jeu Assassin's Creed, c'est un film en soi. Oui. Donc, c'est une histoire en soi. Oui, oui, tout à fait. On y va avec le film Chanté. Oui, Chanté. Alors, ce film d'animation, c'est l'histoire d'un petit...
C'est un koala. C'est un koala. Il y a beaucoup, beaucoup de créatures. Alors, c'est comme, ah, là, qui. Je pensais que c'était l'histoire d'un cochon, parce que dans l'annonce, on voit... La petite mère cochonne. Ouais, cochon. C'est ça. Alors, le koala Buster, qui est propriétaire d'un petit théâtre et qui fait faillite, il veut redonner naissance à son théâtre avec un concours. Alors, il va avoir toutes sortes d'activités pour le concours. Il va avoir des hauts et des bas. C'est un super film familial. Moi, j'ai été le voir au cinéma. Oui. Et j'ai adoré. J'ai chanté. Il n'y avait pas ben personne dans la salle au moment. Alors, je me suis laissée. Donc, à voir avec les enfants, idéalement. Oui. On a le film Dans la mire. Complètement différent. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'Elizabeth Sloan, qui est une lobbyiste impitoyable. Alors, qui va... C'est à travers son histoire de règles du jeu, de Washington et tout ça. Alors, ça reste quand même de l'action. C'est différent. Un film d'action. Ils vivent la nuit, qu'est-ce que c'est? Ah, Ils vivent la nuit, je l'ai raté au cinéma de très peu parce qu'il n'est pas resté très, très longtemps. C'est avec Ben Affleck, c'est à Boston, c'est dans les années 1920. Et là, c'est avec des gangs de l'action, beaucoup de jeux de pistolets et tout. Alors, Ben Affleck, il joue ce rôle à merveille. Alors, j'ai tellement hâte de le voir, ça reste crunchy Boston. J'aime ça. Donc, tous ces films sortis DVD, Blu-ray, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ils sont en salle, ils sont en club vidéo. On a beaucoup de choses à faire en fin de semaine. Oui, oui. Et là, tu vas nous faire ton petit bilan de ton top 3 des films que tu as pu visionner pendant la 21e édition de Regards sur le court-métrage du Festival Regards. On va y aller avec un premier film. Je vais te laisser les nommer, Andrea. Ah, quelle joie! Quelle joie! En fait, le premier film, Vahisha l'aveugle de Théodore Ouchev. Je pense que c'est le plus facile des trois. Non, le troisième est le plus facile. Alors, cette histoire d'une jeune fille, c'est en dessin animé, moi j'ai adoré, qui d'un œil voit le passé et de l'autre voit le futur. OK. Elle ne peut pas voir le présent. Et là, son dilemme, c'est est-ce que je veux voir du passé ou je veux voir du futur? Et là, c'est toute cette façon d'expliquer... La destruction du futur, mais le passé aussi qui est aussi noir. Elle veut essayer de savoir, déterminer est-ce qu'elle s'arrache un œil pour vivre dans le passé, dans le futur, sans jamais voir le présent. C'est un court-métrage qui a gagné un prix, ça m'a étonnée, et ça, dans un prix jeunesse. Oui. Moi, quand j'ai vu le court-métrage, ça m'a frappée. Ça a été vraiment dur. C'est un message. Est-ce qu'on a tendance à toujours vivre dans le passé, dans le futur, sans profiter du présent? Ça vient vraiment marquer. Alors, moi, c'est pour ça que je l'ai mis mon numéro 1. C'est vraiment un court-métrage qui m'a suivi tout au long de la fin de semaine. Je me disais, est-ce que je profite vraiment de l'instant présent ou je me fie tout le temps à ce qui va arriver ou ce qui est arrivé? Ça t'a vraiment marqué, là. Ça a ouvert la réflexion. Puis mes parents aussi ont eu la chance d'aller tout au long de la fin de semaine. Puis c'est un court-métrage qui est revenu aussi souvent en conversation. Donc, wow, le film Vahisha, l'aveugle de Théodore. Ouais. À chercher, à aller voir plus profond. C'est des histoires courtes, on peut vraiment aller accrocher le téléspectateur. En numéro 2, Alco de Timuniki. Tu l'as mieux que moi, c'est bon. Alors, Alco, cette fois-ci, c'est un film très humoristique. C'est l'histoire d'un acteur qui, lui, veut être reconnu pour sa prestance, pour son jeu d'acteur. Et à la fin du film, il doit faire une scène de nu. Mais il refuse, sa raison étant qu'il a un trop gros pénis. Et là, il veut pas être reconnu pour ça, il veut être reconnu pour son art. Alors, c'est très, très drôle. Ça joue dans le regard, évidemment, dans les dialogues. Puis on change le rôle aussi. Souvent, ça va être la femme qui, on va vouloir, en tout cas, en fonction de ses attributs, mais elle veut être reconnue pour son talent. Exactement. On inverse le rapport, c'est intéressant. Exactement. Et là, il cherche un homme qui peut faire sa doublure de pénis. Alors, il cherche à travers les caméramans et tout, un homme qui a un pénis de plus petite taille. Là, finalement, il finit par la faire parce qu'il se dit, bon,
ben j'aime mieux avoir un gros pénis et du talent qu'un tout petit. Alors, c'est très humoristique. Film visiblement très drôle à écouter. On termine ça avec ton numéro 3, Le cri de la marmotte de Colin Nixon. Oui, et qui a fait beaucoup réagir parce que il y a certains qui se disaient « Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ça? Pourquoi que j'aime ça? » Ça a été mon cas. Ça a pris du temps avant que je l'aime. C'est en fait l'histoire d'une famille qui vit depuis 60 ans, en fait, dans la même maison et qui ont des problèmes de marmotte. Et la dernière marmotte a blessé le père de famille jusqu'à être obligé de quitter la maison. Et tout au long de l'histoire, c'est l'évolution de la maison avec la famille jusqu'à temps que l'homme, ben, il ne peut plus rester là. Puis c'est comme la fin de ces années-là, de leur enfance. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu vois la maison, puis tu entends les voix. Tu entends les voix du monsieur, de la madame, de leurs enfants, de leur parcours, des amis qui ont été, soit hébergés, là, qui ont été joués. Tu vois les vers qui vieillissent. Tu as des plans aussi de la marmotte qui envahit. Alors, c'est sur le coup, tu dis un petit peu comme « I, c'est quoi ça? » Mais après ça, quand tu y penses, tu dis « Ben peut-être moi, là, quand je vais m'installer dans 60 ans, c'est ça que je vais ressentir. » Alors, moi, j'ai trouvé que ça allait vraiment chercher quelque chose. J'ai vu que ça allait chercher davantage les gens qui vivent ça. Mm-hmm. Je veux dire, je suis pas encore dans cette situation-là. J'habite encore chez mes parents. Je suis à l'université. Mais quand que je vais avoir ma propre maison et je vais être installée, pas mal sûr que je vais avoir ce même sentiment-là de fierté et d'accomplissement dans ce lieu culte-là. Oui. Alors, soit on le prend comme ça, ou soit on fait juste focaliser sur la marmotte qui peut être un peu dérangeante et effrayante à quelques moments, mais ça a été un coup de cœur. Et honnêtement, faut faire le tour. Regarde, il y en a pour tout le monde. Ça vise les jeunes, les moins jeunes. On peut aller cette année, je ne sais pas si c'est nouveau, mais il y avait aussi des projections à Lucac, mm-hmm. au petit théâtre. Alors, ça a amené plein de gens. Moi, j'ai adoré. J'ai réussi à faire connaître Regard aussi à mon copain qui n'avait jamais fait l'expérience du court-métrage. Il trouvait ça vraiment spécial, comment aller chercher comme l'émotion directement sans la longueur des films. On tombe films. Dans le vif du sujet, là. Exactement. Mes parents qui ont eu une fin de semaine incroyable, qui sont rentrés à 11 heures du soir. Je les avais jamais vus sortir comme autant aimer ça. On en parle. Je pense que c'est ça qui fait que Regard, c'est aussi intéressant. C'est que ça vise tout le monde. On peut en parler avec tout le monde, avec notre entourage. Ouais. Ça va chercher des choses en dedans. Tout à fait. Donc, une 21e édition que tu as énormément appréciée. Oui. Tu t'as fait réfléchir, on le voit bien ce matin. Oui. Donc, écoute, Andrea, c'était vraiment intéressant comme bilan du Festival Regard. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne journée. Bonne journée.